Hello les amis, j'espère que vous allez bien. FreeVape pour un retour utilisateur sur un accessoire. Un accessoire BF, le Skonk Genius, que vous avez à l'écran. Alors, ce Skonk Genius arrive dans une boîte métallique, comme celle-ci. Voilà. Avec la marque au-dessus, Skonk Genius de Cthulhu. Ok, c'est une boîte, allez, un peu métallique comme ça. La mienne, elle a morflé dans le voyage. Ici, attention, hop là. Donc la mienne, elle a un peu morflé. Mais bon, ça n'empêche que c'est bien protégé. Alors sur le bas, ben, en fait, on a l'ancien FC, le recyclage, Made in China. Et à l'intérieur... On se retrouve donc un petit sachet en espèce de tissu comme ça avec justement notre ami à l'intérieur. On reviendra dessus après. À l'intérieur, tu as aussi ceci. Donc des petits spares. Le truc bizarroïde là, on dirait un manchon. C'est juste pour remplacer le tube à l'intérieur du conque. Les petits papiers qui sont une horreur à avoir. Voilà, avec un petit code QR comme ça. Ici, c'est une prolongation de garantie de 15 mois. Et le dernier petit papier à l'intérieur, c'est comment on utilise, dans le bon sens, c'est mieux, comment on utilise le truc. Ouais, moi j'ai été mettre ça. Comment on utilise la chose, mais c'est vraiment très con à utiliser. Maintenant, le tout est de savoir est-ce que c'est utile de dépenser du pognon pour ce truc. Alors, c'est quoi un skonk? Tout le monde le sait ou la plupart. Donc en fait, skonker, en gros, quand vous avez une box BF, le fait, donc, la bouteille est remplie de votre jus, on appuie dessus, le jus monte, arrive dans le dripper, ce qu'on appelle skonker. Jusque là, on est bon. Ici, on se retrouve face à cette chose. Cette chose, c'est un accessoire. D'accord? Donc, quand tu le déballes, en fait, tu te retrouves face à ça. Donc, on voit qu'il y a effectivement un pin, on voit qu'il y a marqué Skonk Genius. Avec un numéro de série, on voit qu'il y a une espèce de bouteille comme ça, ou un réservoir. Et au-dessus, ça se dévisse. Ça se dévisse, bien sûr. Pop, hop, 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 hop. Et au-dessus, on se retrouve face à quoi? On se retrouve face à ceci. Donc là, tu constates bien qu'on a un pin BF sur le centre. D'accord? Et on a deux haricots. Et donc, en fait, l'idée de chez Cthulhu, c'est quoi? C'est de dire, on va permettre aux box électro, méca et aux tubes qui ne sont pas BF, de passer en BF. Ça, c'est l'idée de base de chez Cthulhu. Alors, je pense sincèrement qu'à la base, l'idée était bonne. Maintenant, l'arrivée, elle est un peu chaotique en ce qui me concerne. Donc déjà, cette chose que j'ai utilisée, c'est pour ça qu'il y a du jus dessus. Donc cette chose, en fait, se démonte entièrement. Ça, il faut le savoir. Donc la partie supérieure se démonte. Ok, donc là, on se retrouve face à le pin classique, enfin du moins l'arrivée classique BF, et pour enlever ceci, ben, on démonte le bas. Hop, hop, hop. Donc là, on se retrouve face à ça. Et à l'intérieur, ici, on voit qu'il y a une espèce de membrane plastique. Ok? Donc en fait, l'idée de chez Cthulhu, c'est on a une base en 510.
on vient remplir l'espace qui se trouve ici de jus, deux petits trous à la base de la cheminée, on appuie dessus, on amène donc une pression qui fait monter le jus, qui ressort par là et qui alimente un dripper en BF. L'idée est tout à fait louable. Jusque là, c'était une bonne idée. Quand je l'ai reçu, j'étais même à deux doigts d'appeler ça une révolution. La révolution, pour moi, elle n'a pas vraiment lieu. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc en fait, il faut quand même savoir une chose, c'est que je vape sur du méca, je vape sur de l'électro, je vape sur de l'hybride, je vape un peu sur tout. Et je vape en BF. D'accord ? Donc, ce Skunk Genius mesure 37 mm de haut pour une contenance de 7,1 ml de jus. D'accord ? Et on est en 24 mm. Jusque-là, tout va bien. Je pense sincèrement que si ce Skunk Genius avait la moitié de sa capacité, à savoir 3 ml, là peut-être qu'il y aurait eu moyen de bien travailler avec. Pourquoi je trouve que c'est 7 ml c'est beaucoup? Ben parce que 37 mm de haut, c'est énorme. En termes de hauteur, c'est énorme. Il faut quand même s'imaginer une chose, c'est que là-dessus, il va falloir ajouter un dripper. D'accord? Donc ici, je suis sur un drop, je suis bien en BF. D'accord? Tout le monde le voit que je suis en BF. Donc si je fais ça, ça fait déjà une belle bête. Mais si maintenant je la mets, par exemple, sur une box qui, elle, est une box électro, on est bien d'accord, c'est pas une BF, on est sur la IG100, c'est pas une BF. Si je la rajoute à ça, donc, ça fait quand même un setup qui ressemble à ça, quoi. D'accord ? C'est pas vraiment hyper esthétique. Encore une fois, c'est mon avis. J'ai pas la science infuse, ni la parole unique, mais bon, voilà, c'est mon avis. Si je la mets sur une Suric, qui elle, donc on est bien sur du full méca, si je la mets sur une Suric, voilà ce que ça donne. Là aussi, c'est un peu voilà, c'est un peu limite quand même comme setup. Ça fait un peu un truc étrange, je veux dire, pas naturel. Si maintenant, je la mets sur un tube, hybride ou pas, on s'en fout. Donc, on est bien ici, on est sur un Wismec, donc on est sur un pin 510. Là, sur un tube, allez, je vais dire, ça a un peu plus de gueule. Parce que ça reste filiforme. Voilà, bon. Il y a des tubes avec double AQ, donc voilà, ça peut le faire. Donc voilà, donc ça peut le faire. On l'a dans la main, on appuie, on skonk, donc le jus monte, ça arrive au-dessus, ça fonctionne. Jusque-là, voilà. Mais, sur de l'électro et du méca, esthétiquement parlant, c'est pas hyper top. Alors, ce que je vais faire, c'est mettre du jus dedans. Je vais mettre de la base, parce que je ne vais pas gâcher du jus. Je vais mettre une base dedans, une base classique. Et on va skonker et on va voir ce que ça donne. Sur un tube, je vais vraiment le faire sur un tube. Je vais l'essayer sur les autres. Mais sur le tube, je pense que ça, c'est vraiment au niveau du setup. C'est ce qui peut aller ressortir le mieux, esthétiquement parlant. Donc, je fais un montage. Je remplis plutôt le Skunk Genius. Et on se revoit juste après. Voilà, c'est fait. Donc là, tu vois bien le jus qui se trouve à l'intérieur, rempli simplement par les deux haricots qui sont là. Le truc classique. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais monter l'eau, le drop dessus. Il n'est pas cotonné. Hein. Je ferai un test après au niveau cotonnage, mais c'est juste pour te montrer un peu ce que ça donne quand ça skonk. Alors, quand ça skonk, voilà ce que ça donne. Donc, le principe de base est simple. On appuie là.
Le jus monte par la cheminée, appelons-la comme ça, par la cheminée, et arrive naturellement ici par la sortie BF. Donc j'appuie, et là on voit que ça sort. Ça va tout seul, hein. Je dis ça va super bien, je dis pas. Hein. J'appuie vraiment mais légèrement, et ça sort tout seul. Donc, oui, ça fonctionne. Oui, c'est un système qui fonctionne. Mais encore une fois, voilà, là on est sur un tube. Esthétiquement parlant, c'est joli parce que ça peut le faire, ça rentre dans l'uniformité du tube. Donc oui, ok, mais sur une box BF, c'est ardu quand même. C'est hard quand même. Donc en fait, ce que je vais faire maintenant, c'est un petit cotonnage. Je vape avec. Et puis, on le passera sur aussi bien une électro qu'une méca. Donc, le montage est fait. Je suis à 0,35 en Cantal. Au niveau du coton, j'ai mis de l'Angora Bit. Je trouve qu'il fonctionne vraiment très très bien. Donc, je mets même pas. Je vais peut-être l'enlever pour te montrer ce que ça donne. Donc, ben, en substance, voilà. Bon, là, évidemment, ça dépend aussi de mes accus. J'ai bien travaillé avec. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne vraiment très, très bien. J'appuie. Tac. Ouais, mes accus sont un peu chauds. Ils sont en fin de vie. Je dois les recharger. Mais sinon, ça fonctionne. Voilà, j'appuie. Ça sort. C'est bon. Donc, je dis pas que ça fonctionne pas, je dis que c'est un mauvais produit, loin de là. Mais je dis simplement que, esthétiquement parlant, sur un tube, ça peut le faire. Ça va très bien. Voilà, ça va très bien. Maintenant, je le démonte. Ok, donc là, je vire le tube. Et je la passe sur une électro. Donc là, on est sur une Aegis 100. Ça va me permettre de voir si je suis bon. Tac. Ouais, et bien sur l'Aegis 100, ça fonctionne pas. Parce que notre ami ne détecte pas mon coil. Ah, ça y est. C'était moi qui avais mal serré. Donc, voilà. Donc là, je suis à 50. Ouais, ça part. Mais sérieusement, est-ce que esthétiquement parlant, est-ce que ça, c'est beau? Est-ce que ça vaut la peine d'investir dans un système skunk, ok, pour aller mettre ça sur une box électro pour avoir ce genre de setup? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis pas chaud. Mais sinon, ça va pas. C'est la même chose. Ça va très bien. Voilà ce que ça donne à peu près avec une électro. Maintenant, on va la mettre sur une mode méca. Et là, c'est encore pire parce que sur la mode méca, déjà autant l'électro, elle a encore de certaines formes arrondies qui permettent de dire, bon, ou du moins d'avoir un setup. Hop, 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 accident, accident. Ça, c'est le gros problème de ce truc. Bon, ben voilà, les amis. Si j'avais voulu le faire exprès, j'y serais pas arrivé. Parce que ça, c'est le gros point noir de ce truc. Donc, ça, c'était du pur live. Au moment où tu vas enlever le système d'une box, si malheureusement la base est trop serrée parce qu'il ne détecte pas le pin, et même si le pin est réglable, on a beau dire ce qu'on veut, parce qu'il est réglable en appuyant simplement dessus, il y a des moments où, ben, à force de le visser, il rentre tout doucement, le garçon. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'au moment où tu dévisses le skunk, la base reste, et donc, ça s'ouvre et ça coule. Alors, évidemment, on ne démonte pas le skunk toutes les 15 secondes, on est bien d'accord. Pour le remplir, on enlève juste le dripper, on est bien d'accord, mais ça fait partie des inconvénients de ce truc.
Alors maintenant, revenons un peu à nos moutons. Là, on est sur une surique. Voilà, au niveau du setup, encore une fois, est-ce que c'est un beau setup? Moi, j'ai du mal avec ça. Ça, dans une poche, c'est mort déjà, vu la taille de la bête. Une surique avec un dripper dans une poche, ça passe. Mais une surique avec le Skunk Genius plus un dripper, ça devient assez violent, quoi. Si je le compare à une main, enfin voilà quoi. C'est ce truc rentre dans ma main. C'est aussi grand qu'une main, quoi. Et j'ai pas des petites mains, hein, donc voilà, mais oui, fonctionner. Ça fonctionne. Mais il y a quand même des choses qui restent à faire, des choses qui restent à régler, et des petits détails comme ça qui sont des petits détails complètement anodins, mais qui posent des sérieux problèmes. Sur un tube, encore une fois, et je vais clôturer avec ce tube. Donc, sur un tube, ça reste un peu plus esthétique. Sur un tube, je dis pas. Ça reste esthétique, ça va très bien. Donc voilà. Alors, est-ce que c'est l'accessoire de 2018, l'accessoire révolutionnaire? Je ne pense pas. Quand je l'ai reçu, je l'ai cru et puis je l'ai testé. Donc ça ne, pour moi, c'est pas vraiment l'objet révolutionnaire de 2018. Maintenant, lorsqu'on veut utiliser un BF avec un tube, il existe un système de réservoir qu'on met ici sur le côté attaché. Bon, là aussi, ça dénature un peu le tube, mais ça a une autre utilité que celui-ci. S'ils sortent un modèle deux fois plus petit, ou du moins la moitié ici, ne fût-ce qu'en 3, hein, qu'en 3 ml, déjà esthétiquement, ça pourrait déjà être un peu plus joli. Mais voilà. Donc ça, c'était un peu mon petit retour après 2 semaines, parce que j'ai mis longtemps avant de faire cette revue. Je veux pas casser le produit, je veux pas non plus dire que c'est le meilleur. Donc j'ai testé ça sur plusieurs box, dans plusieurs conditions, et c'est vrai que voilà, j'arrive toujours pas à me faire à l'idée. Sur un tube peut-être, sur une box non. Une électro, une méca, ça va pas. Esthétiquement parlant, c'est pas joli. Quand je veux utiliser un dripper en BF, ben voilà, par exemple, je prends ça et voilà, je suis amplement satisfait. Donc oui, effectivement, sur un tube, sur une box méca, sur une box électro non BF, je ne sais pas effectivement utiliser du BF, mais perso, ça ne me gêne pas. Si je veux utiliser du BF, je prends une box en BF. Tout simplement. Donc voilà, c'était un peu mon retour sur ce Skunk Genius. Est-ce que c'est un bon produit? Oui, parce que ça fonctionne, inévitablement. Est-ce que esthétiquement c'est beau sur une box? Non, c'est mon avis. Non. Sur un tube, ça peut encore passer. Pas facile à caser dans une poche, mais ça peut encore passer. Est-ce que ça révolutionne la vape? Non. Est-ce que ça va détourner les utilisateurs BF? Non, du tout, que du contraire, parce que ça prouve bien que le système BF qu'on connaît tous et toutes est un système qui fonctionne bien, qui a fait ses preuves. Je reviens systématiquement avec ce système de BF, avec les bouteilles intégrées. Donc voilà, est-ce que je vais continuer à utiliser ce système? Je ne sais pas. Peut-être sur un tube, peut-être. Donc voilà, c'était le retour de Freevape sur le Skunk Genius de chez Ch'toulou. Ch'toulou. Donc voilà, les amis, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager les vidéos. Ça serait super sympa. De vous abonner si vous avez envie de vous abonner. Ça serait gentil aussi, si ce n'est pas encore fait. C'était Freevape. Je vous souhaite une bonne vape, avec ou sans BF de toute façon. Ciao!